Féline du Haut Conseil de Sirius. Bonsoir Patrick. Bonsoir Féline. J'ai un message important pour les humains de la part du Haut Conseil de Sirius, mais également de la Fédération Galactique qui se joint à moi. Un portail va s'ouvrir sur le plateau de Gizé demain, nous voyons des personnes qui sont en joie, les mains les unes dans les autres. Cette activation énergétique va faire le dernier travail dans vos corps, pour que vous soyez prêts et prêt pour les nouvelles dimensions, les énergies qui viennent vont transformer votre corps, nettoyer la terre de ces gens qui vous ont mis depuis si longtemps en quarantaine. Je n'aime riobel menomibla bila donc les personnes qui sont encore sur terre, qui vous maintiennent dans la peur, qui maintiennent vos gouvernements en les corrompant. Ne pourront pas supporter ces énergies tout comme certaines autres personnes qui choisiront de quitter leur corps physique. Vous êtes des êtres divins, vos corps se transformeront dans des corps qui seront plus adaptés à la nouvelle énergie et aux nouvelles dimensions. Nous allons venir à vous très rapidement. La cabale sombre n'est plus, je répète la cabale sombre n'est plus là. Les dernières négativités sont en vous et ces énergies vont nettoyer cela. Des choses vont apparaître à vos yeux qui sont inconnues ou partiellement connues. Envoyez de l'amour à ces choses inconnues. Et si l'amour vous revient ça va être une nouvelle sensation pour vous les humains. Elle peut se décrire de différentes faits chaleur et bien-être, frissons aux jambes, les poils qui se hérissent. Vos canaux de télépathie vont s'ouvrir afin de permettre que vous puissiez communiquer avec nous. N'ayez pas peur si vous entendez comme dans le film X-Men une voix dans votre tête. Nous vous demandons d'être prêts, mais surtout de faire un dernier travail en libérant vos peurs, vos miasmes de négativité qui sont en vous par le biais du rire et de pensées heureuses. Souvenez-vous par exemple quel a été votre souvenir le plus beau, revoyez-le, restez dans cette énergie. Pardonnez et libérez tout ce dont vous n'avez pas besoin. Ce message est long mais essentiel car il apporte certaines informations supplémentaires au dernier message. Nous vous aimons d'un amour inconditionnel. N'hésitez pas à faire appel à nous quand vous avez une question, nous y répondrons. Féline du Haut Conseil de Sirius. Je suis le commandant Ashtar, bonsoir bien-aimés sœurs et frères de la Terre, vous élevez vos vibrations peu à peu sans vous rendre compte de cela. Mais regardez autour de vous les choses changent peu à peu, des pays sont repris par les habitants qui souhaitent leur liberté et faire entendre leur voix. Les lois sont écrites en faveur des citoyens. Les impôts supprimés et l'argent, sera redistribué. Avez-vous vu récemment à la télévision quelque chose à ce propos Non, c'était sous silence ou un peu ébruité. Vos médias se réveillent peu à peu. Noël est une période qui est propice à la joie et aux retrouvailles. Ce sera le cas bientôt, chers frères et sœurs de la Terre. Vos corps vont changer, transmuter et devenir de beaux corps bien plus en harmonie avec ce que vous êtes vraiment et le monde cristallin qui arrive à grands pas. Sachez que la prospérité est vraiment votre. Maintenant restez dans la joie et réunissez-vous pour fêter la victoire de tout un peuple qui se libère peu à peu de ses chaînes et également des bourreaux. Soyez dans la joie car la fête arrive. Nous vous demandons de rire, de rester dans vos pensées positives et joyeuses et d'évacuer tout ce qui est négatif. Travail, argent car c'est quelque chose qui va changer. Vous ne travaillerez plus pour des chiffres sur un compte bancaire qui est truqué mais pour ce que vous aimez vraiment faire et l'argent n'aura plus d'importance. Regardez les oiseaux, est-ce qu'ils s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, où ils vont se loger? Non mais nature offre tout ce dont ils ont besoin. Alors pourquoi vous qui êtes aussi des animaux, avez ces choses qui ne vous servent pas? L'argent n'est qu'un moyen. Aimez-le. Envoyez-lui de l'amour, marquez dessus love you. Et il reviendra à vous. Donnez aux pauvres avec amour. Cet argent reviendra à vous. Nous vous aimons et veillons sur vous mais également les habitants de votre terre, animaux, végétaux, minéraux et également vos frères et sœurs de la garta. Merci Patrick de m'avoir permis de mettre un mot. Je sais que tu ne t'y attendais pas du tout. Bonne soirée commandant Ashtar.